À la découverte des produits Dr Pierre Rico, c'est parti! J'espère que vous allez tous très très bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui a fait que voilà. J'ai mis ma petite crème de jour, donc je brille de mille feux, tu ne m'en voudras pas, c'est normal. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux produits que j'ai reçus via une plateforme influenceur. Donc la plateforme Influence for 1, 2, 3, Influence for Brown. J'ai donc postulé pour recevoir des produits de la marque Dr Pierre Rico et j'ai été sélectionnée, donc on va en parler tout de suite. Tout d'abord, j'ai reçu le sérum de teint effet rajeunissant, donc je suis pas maquillée justement pour le tester avec vous. Donc on nous dit quoi? Je suis vraiment désolée, ça va sans doute vous déstabiliser un petit peu, mais cette partie de ma vidéo a perdu son son. Hein, je suis désolée, j'ai des petits problèmes de téléphone, du coup je vais doubler la vidéo pour garder les images parce que vraiment je voulais faire une vidéo première impression avec ce produit et je voyais pas l'intérêt de faire de fausses premières impressions. Donc, ce petit sérum de teint, on est sur un flacon pompe hyper pratique en verre. Donc moi j'aime bien l'effet vert, je trouve ça très qualitatif. Au niveau de la texture, on est sur une texture très fluide qui va venir s'appliquer mais super facilement. Là je l'applique au pinceau mais vous pouvez très bien l'appliquer au doigt ou au beauty blender. La texture est vraiment très, comment dire, très fluide et elle va venir vraiment se fondre à la peau. Elle sent mais divinement bon, mais vraiment ça sent trop trop bon. Et vous voyez, j'avais un petit peu peur au niveau de la teinte parce qu'on avait le choix entre 4 teintes et j'ai pris la teinte 2. Pour les peaux qui ont tendance à rougir au soleil, j'aurais peut-être dû prendre la peau claire, mais je pense que pour cet été, on sera plutôt pas mal. Ce petit sérum coûte 32€ les 30 ml, donc niveau qualité-prix, on est bien, hein. J'ai été vraiment très très surprise par l'effet sur la peau, il a vraiment unifié le teint, il a lissé la peau, ça a fait une peau toute douce et vraiment juste super agréable. Et même dans les applications après la vidéo, hein, j'ai continué à l'utiliser et j'en suis toujours autant satisfaite. Ça fait vraiment une peau très très douce et l'odeur, je ne m'en lasse pas, c'est vraiment un pur délice. Et je pense que ce sera beaucoup moins épais qu'un fond de teint pour les beaux jours, ce sera beaucoup plus agréable à porter voilà, avec les premiers rayons du soleil. Et pour la teinte, finalement je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Me revoilà, le teint fait. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si la teinte vous choque ou pas. Finalement voilà, sourcils, rouge à lèvres et tout, je trouve que le teint c'est pas choquant de fou. Bon, c'est un petit peu plus foncé que ma carnation, mais je pense que cet été ça passera. Je pense. Au niveau de la peau, ça fait vraiment une texture fluide, un peu fraîche. On a la peau hyper douce, c'est pas le truc qui vient te plâtrer le visage et que tu sens sur la peau. C'est vraiment quelque chose de très léger. À l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique. Donc franchement, ce produit, je suis surprise et conquise. Ce petit sérum de teint est vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai reçu ce petit parfum donc, que je vais vous faire découvrir de suite. Je suis désolée si je radote, mais la vidéo, je la fais deux fois puisque mon son marche quand il a le temps. Merci bien. Donc voilà, on est sur quelque chose, comme je l'ai déjà dit, de sobre et de chic. Moi, j'aime bien. C'est un parfum qui sent, mais délicatement bon. Ça sent la rose, mais attention, ce n'est pas la rose mamie, la rose mémé qu'on a, qu'on peut avoir à l'esprit. C'est vraiment quelque chose de très poudré, de très délicat, de très féminin et j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos de ce petit flacon? On nous met « Chacun de nos parfums est un voyage, une création originale née de l'imaginaire d'un parfumeur et composée avec les plus belles matières premières. Laissez-vous transporter par ce voyage olfactif. Rosa Folia, en Turquie, sur les hauteurs du lac Burdur, se répandent à perte de vue des champs de roses Damanesna. De ces fleurs encore humides de la rosée du matin, nous avons extrait une matière première qui recrée la senteur fraîche et délicate des pétales de roses à peine éclos. Et c'est vraiment l'impression que ça a, c'est quelque chose de rose, mais de très très frais, de très... C'est pas un parfum entêtant qui va venir te mémériser, c'est vraiment un truc qui va vraiment être pétillant et frais. Alors, l'envolée
lutine et pétillante de cassis, de baies de rose, dévoile un cœur floral irrésistible, sublimé par les multiples facettes de l'essence de l'absolu de rose, délicatement poudré d'une note de violette. Le fond se réchauffe d'un accord boisé, ambré, chic et ultra féminin, c'est tout à fait ça. On sent aussi le petit côté un peu sucré de la violette, mais c'est pas quelque chose vraiment de prononcé et d'écœurant, c'est vraiment quelque chose de très subtil. Et l'accord boisé, pareil, on le sent aussi. Ah, il sent vraiment très très bon. Je vous le recommande vivement. Je vous mettrai toutes les infos, tous les liens utiles en barre d'infos. Je vous mettrai le lien du parfum, le lien du sérum, le lien du site, le lien d'Influence for Brand si vous êtes intéressé pour vous inscrire également sur cette plateforme. Donc mes petits produits, je les ai reçus tout bien emballés dans du papier de soie orange comme ceci. C'était vraiment super bien emballé, il n'y a rien à dire. J'ai reçu un petit catalogue. Alors je ne connaissais pas du tout la marque Pierre Ricot. Et j'étais un peu surprise de voir toutes les références qu'il y avait. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment une marque très 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 complète. En passant par tout ce qui est soin de peau, contour des yeux, anti-rides. Il y a vraiment plein de choses. Du lait pour le corps. des soins, des boosters d'hydratation. On a vraiment une multitude de produits et ça c'est vraiment une très très jolie découverte. Je ne savais pas du tout qu'il y avait tout ça. On a aussi une belle gamme au niveau maquillage en passant par des sérums, des fonds de teint, des poudres, du rouge à lèvres, du vernis à ongles, des jumbo pour les lèvres, des fards à paupières en crayon, des mascaras. Vraiment... Voilà, là je vois, je tombe sur un produit anti-chute et booster capillaire, génial quoi. Des soins lavants, enfin il y a vraiment plein de références. Et ça, j'adore, je vais aller découvrir plus en profondeur tout ça, j'ai vu déjà des petites choses qui m'intéressaient. Et je tenais aussi à vous montrer le courrier. Pourquoi ? Parce que franchement, la marque Dr Pierre Ricot, c'est une marque qui nous laisse, quand je dis nous, c'est les personnes qui testent les produits, qui nous laisse vraiment dire notre avis. Nous te remercions de l'intérêt que tu portes pour notre marque et nous espérons que tu seras conquise par nos produits. C'est avec plaisir que nous t'adressons l'eau de parfum, etc. Un voyage olfactif à la découverte de l'emblème des parfumeurs. Là, on nous explique un petit peu. Et on nous met qu'on pourra retrouver les produits sur le site internet. Donc, je vous montre parce que vraiment, il y a des marques qui t'envoient le produit mais qui te disent « faut que tu dises que ça, c'est bien, que tu adores, que tu fais ci, que tu fais ça. » Là, on nous laisse vraiment tester le produit vraiment dans sa globalité et dire notre avis en toute honnêteté sans nous forcer à dire des choses. Et rien que pour ça, bravo, j'adore les tests qui se font comme ça. Je suis pas du tout, généralement quand il y a des tests et qu'il faut dire qu'on aime, je prends même pas parce que c'est pas la peine. Moi je veux être libre de mon opinion sur ma chaîne. Donc un grand merci à la marque Dr Pierre Ricot. Les produits sont top, franchement je suis agréablement surprise. Vraiment, la texture sur la peau est géniale de ce petit sérum, le parfum est juste top. Et je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, tous les liens en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il y en a d'autres qui vont arriver parce que je suis vraiment à la bourre. J'ai vraiment plein de vidéos à venir, à faire, à tourner et pas beaucoup de temps. Donc ne m'en veuillez pas, je suis toujours là, je ne vous oublie pas. Et je vous fais plein d'énormes bisous en attendant de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.